Coucou tout le monde, c'est Géraldine. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du colis que j'ai reçu de Nathalie. Nathalie qui habite Reims. Donc, c'était une très jolie surprise. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Elle m'a prévenu le matin où le courrier est parti qu'elle m'avait envoyé quelque chose. Donc, vraiment, j'ai guetté ma boîte aux lettres, mais enfin, j'ai surveillé ma boîte aux lettres plutôt. Vraiment, j'attendais cet envoi avec plaisir et je ne m'attendais pas. Elle m'a dit, je t'ai envoyé une petite enveloppe. Je m'attendais à une petite chose et elle m'a envoyé plein de merveilles que je vais vous montrer tout de suite. Je suis doublement contente puisque. Eh bien, il y a certaines choses que j'avais vues dans son junk journal. Alors, pourquoi dans son junk journal? Nathalie a participé à mon défi que j'ai lancé l'année dernière, donc pour la réalisation d'un junk journal essentiellement en récupération. Donc, elle a bien voulu y participer. Pourtant, elle a eu très peu de temps puisqu'elle nous a rejoint tardivement sur ce projet. Et donc, elle m'a envoyé sa vidéo de présentation de son junk journal qui est magnifique. Vous le découvrirez bien sûr sur ma chaîne. Dans la semaine entre Noël et jour de l'an, puisque je vous montrerai ce qu'elle a réalisé. Donc plusieurs autres personnes ont participé à ce projet. Vous ne verrez pas forcément leur réalisation, puisque ce n'était pas une obligation. Ce défi, il était plus, eh bien, on va dire, pour soi, pour se donner envie de faire des choses, etc. Pour les personnes qui ont fait ce défi, qui souhaiteront m'envoyer leurs photos ou leurs vidéos, bien évidemment, je vous les transférerai. Mais voilà, pour celles qui veulent le garder pour elles, il n'y a pas de souci. Je ne vous montrerai rien. Par contre, voilà, donc Nathalie a décidé de m'envoyer sa vidéo. Il est magnifique. Et quand j'ai découvert sa vidéo, il y avait des choses, voilà, des petites choses anciennes vraiment qui. J'ai bavé, hein, il n'y a pas d'autre terme, hein, j'ai vraiment bavé devant son junk. Je lui ai dit et elle a eu la gentillesse de me faire un paquet, mais vraiment, c'est waouh! Donc je vous montre déjà, j'ai commencé à ouvrir un petit peu pour éviter de faire beaucoup de bruit avec le déballage. Elle m'a envoyé une magnifique carte que voici. Dans le style vintage, vous savez que c'est un style qui me plaît énormément. Hein. J'adore hein, tout ce qui est vintage, tout ce qui est récupération, tout ce qui est ancien. Enfin, voilà, j'ai la chance d'avoir des abonnés qui m'ont bien ciblé. Et tant donc ce paquet que Nathalie ou Karine ou simplement les participantes au concours, vraiment, elles ont fait des choses vraiment qui m'ont énormément plu. Donc, on commence par ceci. Alors ça. Pouf. Comment vous dire? C'est trop beau. Alors, ce sont des die cuts, vous voyez, à découper. Enfin, qui sont déjà prédécoupés plutôt. Voici donc là avec les encadrements. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs découpes. Donc, on peut faire tout à fait des entourages et les mettre avec autre chose. Enfin, vraiment, c'est. Je ne sais pas si vous le verrez pour celui-là. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a celui-là. J'adore ces images. Voici. Et celle-ci, donc là, ce sera. Donc c'est sur du papier épais, mais c'est pas déjà prédécoupé, ce sera à découper. Mais regardez ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est simple, c'est ce que je disais à Nathalie quand je lui ai envoyé le mail pour lui dire que j'avais tout reçu. Quand j'ai ouvert l'enveloppe et que je suis tombée là-dessus, je suis restée la bouche ouverte à gober des mouches. Et pour que je reste la bouche ouverte sans parler, franchement, il en faut beaucoup. Donc vraiment, j'ai été super contente. Ensuite, il y a plein, plein, plein de petites choses. Alors j'ai regardé, évidemment, donc bon, c'est un petit peu en fouillis, mais je vais prendre l'enveloppe, par exemple. Regardez. De la magnifique dentelle. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses très anciennes hein, dedans, des choses un peu plus récentes, mais il y a vraiment aussi des choses anciennes. Donc, c'est un envoi qui est super. Là, on est sur une espèce de toile de jute de lin. Donc, c'est vous avez vu une plutôt assez rigide quand même. Là, ensuite, on a une fine dentelle. Puis, alors, vous avez vu à chaque fois, j'en ai des bons morceaux. Hein, donc, vraiment de quoi faire. Donc, ça, c'est super. Là, on a des appliques. Ah, désolé pour le bruit, il y a un de mes chats qui vient de me retrouver. Voici.
Ensuite, on a de la dentelle noire. Alors ça, j'avoue que j'en ai pas. Enfin, j'en ai des petits morceaux que j'ai retrouvés dans les boîtes à couture de mes grands-mères, mais voilà, ce sont des petits morceaux, puis elles ne sont pas si larges. J'avoue que je n'ai pas de dentelle large. J'ai souvent des petites, des fines dentelles, un petit peu comme celle-ci, mais des dentelles larges, je n'en ai pas. Et donc, du coup, c'est super. Et notamment, regardez celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est pareil, on peut l'utiliser en dentelle large, mais on peut aussi découper pour faire juste des petites appliques de demi, pour faire des poches ou... Vraiment, ça, c'est super. Je suis vraiment très contente. Puis de la dentelle, on en a toujours besoin. Ensuite, elle m'a envoyé des pièces en bois avec notamment de très jolis engrenages. Regardez ça. Ensuite, on a aussi deux clés. Okay, oups, j'étais pas dans le champ. Voici. Ensuite, je vais les pousser. Une encre. Oh, décidément, à chaque fois, je cherche mes mots. Bref, voilà. Une ça, hein. Ensuite, elle m'a envoyé une très jolie petite pochette. Donc ça, c'est super aussi pour faire des junk ou pas, hein, pour faire autre chose, parce qu'il n'y a pas que des junk, hein, on peut aussi... Ah, non, 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 noisette, pas question. Voici, désolée, hein, il faut que je fasse la police avec mon chat. Ensuite, attends, pousse-toi un petit peu, s'il te plaît. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, j'ai reçu beaucoup d'étiquettes. Alors, notamment celle-ci. Je pense que ça doit être toi qui l'as faite, celle-ci. C'est avec du vieux lin. C'est magnifique. Bon, noisette. Voici. Ensuite, on a deux très belles étiquettes en chipboard. Enfin, deux chipboards, pardon. Pff, je raconte n'importe quoi ce matin. Alors vous allez voir, je vais pouvoir, parce qu'on est sur des thèmes qui sont que je vais pouvoir mélanger et qui sont vraiment magnifiques. J'ai oublié de vous présenter ce petit nounours que je vais garder pour mettre sur l'album de ma petite fille quand je l'aurai réalisé. Alors ensuite, on a de très jolies étiquettes. Donc celles-ci, elles sont recto verso. J'en ai trois ici. Donc vous voyez, on est sur le thème des animaux, de la botanique. Voilà, il y a vraiment des choses que je vais pouvoir intégrer dans un projet. Regardez ce petit lapinou. Trop mignon. Attendez, je vous mets en pause une seconde parce que j'ai mon chat qui fait que des bêtises. Je disais donc des étiquettes, notamment. Voilà, celle-ci, par exemple. Là, on a des étiquettes. Des petites étiquettes avec des montgolfières. Ça, j'adore aussi. On a un magnifique papillon. Là, c'est pareil, on a des petites étiquettes recto verso. Donc, idéal aussi pour un thème botanique. Là, on a des magnifiques. Alors là, on est sur quelque chose de très épais, en carton épais. Regardez cette série d'étiquettes. Ça aussi, c'est pareil, avec les oiseaux. Franchement, c'est magnifique. Puis en plus, j'ai de quoi faire, hein. Voilà. Ensuite, alors là, et alors, je vais plutôt vous présenter ça d'abord. Donc là, on a de très jolis tickets. Et ensuite, on a. Alors là, on va attaquer un peu dans les trésors parce que regardez ce qu'elle m'a envoyé. Hop, il y a un petit coin de. Voilà. Alors ça, c'est ultra précieux. On est sur des timbres de 5 centimes et 10 centimes qui ont été compostés. Je ne sais pas s'il n'y a pas des collectionneurs qui vont baver sur ces timbres, hein, parce que franchement, 5 centimes, 10 centimes, ils sont vraiment très, très, très anciens. Donc ça, c'est vraiment... Ça me touche beaucoup parce qu'elle me donne des choses vraiment qui sont rares. Et voilà, ça, franchement, j'apprécie vraiment cet envoi. Là, on a une ancienne carte postale, mais elle a un timbre magnifique. Regardez ça. C'est pareil, c'est un timbre de 5 centimes, mais ça devait être le tout premier timbre de 5 centimes. Je vais peut-être vous le montrer dans ce sens-là. Voilà, ça aussi, c'est magnifique. C'est dommage, je ne vois pas le cachet, il s'est un petit peu effacé, mais je pense que ça doit être un timbre d'entre les deux guerres. Bon, pas sûr, je ne voudrais pas de bêtises, mais... Alors ça aussi, c'est très ancien. Et franchement, je suis très heureuse qu'elle me l'ait envoyé. Donc sur un petit bloc de chocolatier. Vous voyez, le papier est joli naturellement. Donc ça aussi, c'est...
très très beau. Là, on a deux pièces de tissu en lin. Ça aussi, j'adore pour une couverture d'album. Hop. Alors, on continue. Là, on a une petite série de papier. Donc, toujours, hein, je vous parlais de ce style botanique, animalier, etc. Là aussi, on va pouvoir faire des choses superbes parce qu'on est vraiment dans le même style. Alors là, c'est du papier recto verso. Regardez ça, j'adore. Je ne sais pas où elle a trouvé cette collection, mais ça me dit quelque chose, j'ai dû la voir déjà. Hop, et là, on a deux. Donc ceux-là, ils ne sont pas recto verso, mais ils sont aussi magnifiques. Donc voilà pour le papier. On continue donc avec trois cartes. Alors c'est pareil, elles sont recto verso. Elles sont ouais, quasiment toutes pareilles au verso. Oui, c'est ça. Pratiquement. Ouais, pas tout à fait. Donc, pardon, je vous montre le devant. L'arrière. Et pour finir, celle-ci. Et celle-ci. Alors j'aime beaucoup parce que je regarde. Alors je regarde moins maintenant, j'ai moins de temps, mais la chaîne de Wendy's Adventures, je crois. Elle le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de junk dans le thème botanique. Et elle a toujours des choses, mais vraiment splendides. Et vraiment, tout ça, ça me fait penser à elle. Hein. Et voilà, vous voyez noisette, hein, désolé. Alors ici, ça aussi, c'est très précieux. Nathalie m'a envoyé deux buvards. Alors, qu'est-ce que le buvard pour les petites jeunes qui ne connaîtraient pas? Eh bien, c'est du papier qu'on utilisait lorsqu'on écrivait à la plume pour absorber donc les résidus d'encre. Voilà, on faisait comme ça, on posait sur la page qu'on venait d'écrire pour pouvoir ensuite tourner la page pour que eh bien, ça n'abîme pas pardon, les pages suivantes. Il faut savoir que les buvards, ils s'en servaient pour faire de la publicité. Il y avait de la pub pour les enfants, il y avait de la pub évidemment pour les adultes. Donc voilà, il y a des buvards qui sont vraiment magnifiques. Moi, je sais que mon papa les collectionnait quand il était petit. Il a cette collection quelque part. J'espère qu'on va remettre la main dessus parce que je sais qu'il y avait des choses magnifiques. Donc ça, vraiment, c'est un super cadeau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas fini dans les choses anciennes puisque regardez. Ce que j'ai reçu. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un cahier très ancien, on doit être tout de suite après-guerre, dans les années 50 peut-être. Voilà, donc il est intact. Il n'a pas été utilisé, il n'a pas été écrit, il est vraiment intact. Et ça j'avoue que je vais avoir du mal à le désosser, le découper. Enfin, il est tellement beau comme ça que vraiment il va falloir que je trouve un projet pour l'utiliser dans son entièreté. Parce que ça c'est un petit peu mon problème. Hein. Moi j'avoue que toutes ces jolies choses comme ça, j'ai du mal à les couper, à... C'est tellement ancien, c'est tellement... bon, alors quand celui-là encore, il est pas rempli, mais quand c'est rempli, c'est d'autant plus dur. Mais bon, Nathalie, je te promets, j'utiliserai vraiment tout ce que tu m'as envoyé. D'ailleurs, je vous montrerai, alors ne vous attendez pas à avoir des réalisations tout de suite. Parce que comme je vous ai dit, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais promis, quand je ferai des choses avec, et c'est certain que je ferai des choses avec, je vous montrerai, bien évidemment. Là, on a aussi une ancienne partition. Donc là, on attaque vraiment dans les choses très anciennes. Hein. Là, on a des pages d'anciens magazines. Enfin, on appelait ça des hebdomadaires à l'époque. Vous voyez, il y avait souvent des petites histoires. Et notamment, dans certains magazines, on a eu Tintin. Tintin, peut-être pas, mais on a eu Bécassine. On a eu... si, Tintin, il y a dû y avoir Tintin. Enfin, il y a eu Rin-Tintin aussi. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de petites histoires. Donc, ceux-là sont très anciens. C'est pareil, hein, on est dans les années 50. Et celui-là, je pense qu'il est encore plus ancien. Donc ça me touche d'autant plus parce que voilà, ces papiers deviennent de plus en plus rares. Parce que malheureusement, les gens, quand ils vident les maisons des grands-parents, de tout ça, ils ne se rendent pas compte des trésors qu'il peut y avoir. Et donc tout ça part en général dans les déchetteries. Je vais vous dire, quand je vais jeter des choses, des fois à la déchetterie, j'évite de regarder ce qu'il y a parce que je sauterais bien dans la benne pour récupérer les choses anciennes. Franchement, parfois, il y a des choses, c'est à tomber par terre, quoi. Donc, bon, malheureusement, c'est comme ça. Hein. On n'a pas tous la valeur des choses. Et puis, je jette certainement des choses qui, pour quelqu'un d'autre, auraient extrêmement de valeur. Mais j'avoue que, bon. Bref, donc, toujours du papier ancien.
Vous l'aurez compris, j'aime les vieux machins, les vieux trucs, les... je vous l'avais déjà dit, mais là aussi, c'est un ancien bloc. Ça aussi, c'est... Enfin, franchement, je suis super heureuse de... Alors, je suis très heureuse pour tout ce qu'elle m'a envoyé avant, mais tous ces vieux trucs-là, moi, je suis en amour dessus, devant, pardon. Un joli morceau de vieille carte. Et là, on a une partie d'Arras, une région que je ne connais pas du tout. Donc, vous voyez, c'est bien. Là, on a deux pages de cahier qui sont écrites. Voilà, c'est comme les cartes postales, hein. Je faisais collection des cartes postales anciennes. J'en ai d'ailleurs une belle collection. Et sur certaines, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai montré mon junk. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont... Enfin, c'est émouvant. Hein. Là, je regarde. Je pense que c'était soit une chanson, soit un poème. Parce que là, je vois en bas de page, troisième couplet. Alors, je n'arrive pas à tout lire, mais... Ah, ou alors, c'est peut-être un poème qui a été écrit par la personne. Alors, ouais. Alors, par exemple, je ne demande qu'à vous plaire, et si j'ai pu, non, si j'ai su vous distraire, cela me rendra heureux, car en somme, vous, je sais pas, j'arrive pas à lire, rien n'est plus gentil, je pense, que d'entendre une romance ou quelques refrains joyeux. Ce soir, lorsque je chante, je trouve devant moi une foule charmante. Vraiment, cela m'enchante. Oh merci, cher public, pour moi de te montrer chic. Voilà. Franchement, c'est super, quoi. Enfin, c'est de savoir que j'ai un morceau de l'histoire de quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'est touchant. Voilà, il y a celui-ci aussi. Alors là, par contre, c'est écrit au crayon de papier et j'ai un petit peu plus de mal. Mais c'est pareil, voilà, ça reste des poèmes. Ou... Enfin, je sais pas, c'est émouvant, en fait. Ah, d'ailleurs, ça doit être... Oh, trop bien, en fait, ça devait être comme ça. Donc, je dois avoir le poème entier ou l'histoire entière. Oh, trop bien. Excusez-moi, je m'extasie toute seule. Donc Nathalie m'avait mis tout ceci dans une jolie pochette, sur lesquelles une pochette en plastique, ce qui lui a permis de coller du washi que je vais pouvoir récupérer. En plus, ce sont des grandes bandes de washi, donc j'adore. Et puis, le meilleur pour la fin, puisque c'est surtout là-dessus que j'avais bavé. Attendez, parce que mon chat, je suis accrochée à mon chat. Bon, lâche-moi 2 secondes, s'il te plaît. Voilà. Oh! Donc je voulais vous montrer ceci. Donc ceci, ça c'est très très ancien. Donc elle en a décoré, elle en a mis pour décorer son junk. Et donc elle l'explique, hein, vous verrez quand vous regarderez sa vidéo que je vous posterai donc pour son junk. Au départ elle ne savait pas trop à quoi ça servait et puis ensuite elle a eu l'explication. Ce sont des disques qu'on insérait dans une pointeuse à l'époque. Voilà, les gens pointaient pour avoir leurs horaires et donc c'est une pointeuse. Et notamment celui-là est inscrit. Franchement, je suis ravie. J'ai été vraiment énormément touchée par cet envoi. Ce sont des petites merveilles, des trésors. Vraiment, dès que j'ai terminé quelque chose avec tout ça, je vous promets, je vous le montrerai en vidéo. En attendant, donc, on se retrouvera semaine entre Noël et Jour de l'An pour que je vous montre la vidéo du Junk Journal. N'hésitez pas à être au rendez-vous parce que franchement, il est magnifique. Vous aurez d'ici là une vidéo ce mardi qui arrive. Et puis, hormis la vidéo de Nathalie, je pense que vous n'aurez rien d'autre puisque je n'ai plus rien en attente et que, comme je vous l'ai expliqué, il m'est difficile de rester très longtemps à mon bureau. Si toutefois, ça va mieux puisque, voilà, lundi, normalement, j'ai une visite et peut-être que j'espère que ça me remettra pour de bon en place. Si c'est le cas, bah, peut-être que vous aurez des vidéos. Dans ce cas, c'est que ça ira mieux. Si vous n'en avez pas, c'est que ce n'est toujours pas ça. Et dans ce cas-là, on se retrouvera de vive voix en janvier pour les vœux. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année malgré tout ça. Prenez bien soin de vous, profitez bien. Et puis n'oubliez pas que Noël, ça reste aussi de la magie dans les cœurs. Hein. Ce n'est pas juste des cadeaux qu'on offre, ce n'est pas juste tout ça. Voilà, ça reste une fête avant tout. Non commercial quand même, hein. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao!